Et bonjour à tous, on est de retour sur Magic the Gathering Arena. Et la saison dernière, on avait fini niveau argent 3 en construit et bronze 3 en limité, donc en draft. Ce qui est normal, hein, vu qu'on a un niveau dégueulasse. On va récupérer la récompense. Truc intéressant. On récupère. La nouvelle saison, on attaque bronze 3 et bronze 4, ok. On peut continuer à jouer. On va ouvrir nos boosters. On a gagné. On va voir un peu ce que ça donne. Impressionnant. Champion fervent. Initiative célérité. À chaque fois que le champion fervent attaque un autre chevalier. Attaquant ciblé que vous contrôlez gagne au sein jusqu'à la fin du tour. Oh, lui ça peut être intéressant dans mon deck que je joue habituellement. Après j'ai pas spécialement de chevalier donc. Voilà. Création du miroir, vous pouvez faire de la création de n'importe quel artefact ou enchantement. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du noir, 750, 750, donc c'est lui qu'il faut qu'on réactive. Un sort blanc rouge. C'est ballot. Tuer des créatures et là on a du noir. Donc on va faire nos premières games avec notre deck Vampirio. Pandar et classement comme d'hab. Il y a des événements en haut. Il y a un événement standard remanié. Quel est le standard remanié? Je veux juste voir ce que c'est. Alors, il faut 2500. Nous modifions le standard grâce à une liste des cartes interdites alternatives et uniques à cet événement. Les cartes suivantes sont interdites. Ah, la cavalcade de la calamité. Taille qualité prédite. La famille de chaudron et cavalière meurtrière. On peut peut-être le faire celui-là. Deux victoires, on gagne ça. 1000 points d'XP. Ouais. 1000 points d'XP. En vrai, j'ai les thunes, je peux le faire, l'événement. On va attaquer par celui-là, on va attaquer par cet événement. Pas du deck. On va prendre Vampirio, je pense que les cartes qu'ils interdisent. Ne sont pas dans le deck, donc normalement je peux le jouer. Donc, avec Vampirio, je peux peut-être faire ça. On va voir ce que ça donne. Bon, j'ai déjà la gorge en feu. Mais... Est-ce qu'on va réussir à faire les 5 victoires? Je ne suis pas sûr. Deux mana, ça fait pas beaucoup. Ouais, on va garder, même ça fait pas beaucoup. Avec un peu de chance. On a au moins, ouais, on a au moins deux tours safe, donc on va pas se faire chier. Et on tombe contre un autre camarade. Aïe aïe aïe.
Alors, on va pour lui. Un petit assassinat. Il faut faire des dégâts pour augmenter son type. Il nous arrange, on fait un petit coup de marée. Voilà. Jeunesse éternelle, mettez n'importe quel nombre de cartes créatures ciblées depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Ça faut attendre pour l'utiliser. Tuer celui-là tout de suite. Sinon, je fais comme lui, je sors mes deux. À sortir les deux. Sortir les deux pour le moment. Très bien. C'est la bonne chose à faire. Je suis pas sûr. Il y a 4 manas. Faut combien pour augmenter? Il faut 3 mana. On va attaquer qu'avec elle. Sinon il va me le buter lui. Il a gardé 3 mana. Tout 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 tout. Est-ce que... Ah voilà! Ouais, la pire chose qui pouvait arriver. On va pas bloquer, il va faire ses 4 de dégâts, augmenter son type. Attendez ça. Là, on fait le marais. Jenny lui, hein, il gagne un à chaque fois que... On va peut-être tuer lui en premier. Et pas d'attaque. C'est si on veut défendre avec... avec la vampire pour tuer Adjani au cas où. Alors, il a lien de vie lui. Ah, c'est que j'avais ça, plein de vie. La créature ciblée acquiert le contact monstre jusqu'à la fin du tour. Piocher une carte. Qui c'est que j'ai dans mon cimetière? Il acquiert le contact mortel, mais c'est pas tout. À l'attaque, on joue défensif pour l'instant. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ok.
Ok. Ah, ça c'est ballot. Choisir une carte de créature que vous convertissez dans votre cimetière, puis faites de même avec les cartes. Ah, d'accord. Bibliothèque. Ok. Donc il va arrêter lui, ce qui est logique. Être mortel. Lui, il va augmenter. Ok. Carte, ok. Je pense que là, je sais pas si je vais réussir à l'avoir. Dès qu'elle est con. Pas possible que non. Ah, ben ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout même. Se défendre contre une personne. Compliqué. Aïe. Indestructible. Si je la pars, indestructible, vigilance. Ça lui empêche de me faire les dégâts. On va voir. On va voir. Je suis pas sûr de mon coup là. Mais... Ah. Il vole, on peut pas attaquer. Ou je prépare la défense, je sais pas. Garder au cas où.
Merde, ok, il lui reste deux cartes. Mana. Sacrifie pour un P de plus. Inu Corona Jani. Nous inflige un dégât. On attaque avec les deux. On fait ça, tac. On va peut-être avoir besoin de cela. Terminé. Et j'ai plus de cartes, donc voilà. Voilà. On n'est pas trop mal. On a remonté la pente. C'est pas si mal. Carte. Tout, 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 tout. On va pas attaquer. Pour d'après qu'on risque d'attaquer. Piétinement, est-ce qu'il a un contact mortel? Non. Du coup, on fait. Là, on fait attaquer avec ces deux-là. Je joue peut-être un peu trop la défensive sur ce cas, sur ce game. Lord of Innistrad. Yeah.
What a mess I've made. Résoudre, on a compris. Non. Oh, on a compris. Résolution. Et... Et à mon tour, notre aventure que vous contrôlez gagne plus 1. C'est le bienvenu mon copain. Ah. Ah, full aggro, mais je sais pas si on gagne. Pas envie de compter donc. Ok, avec tout. Il est trop obligé de contrer. Ah, s'il réfléchit plus que moi, il va peut-être y arriver, mais moi j'ai pas trop réfléchi là. J'ai dit, oh, bah allez, YOLO. Réfléchis plus que moi. Alors... Non, si on l'a tué en premier. L'autre il va être chiant, mais tant pis. C'est ce qui me semblait que j'aurais du mal, vous savez. Et avoir du mal veut pas dire avoir perdu. Parce que même s'il augmente de 2, je peux quand même le bloquer son truc. Ah, j'ai oublié ça. Okay. Avec quoi tu veux attaquer? Attaque avec lui. Je peux pas le contrer lui. Okay. Bon. Alors, sort un. Inflige 2 de blessure à une créature ciblée et vous gagnez 2 points de vie. Créature ciblée. Ok, ouais. On se prend de vie, Jean-Michel.
plaisir d'en supprimer un. Ah, dommage. J'aurais eu les sous, j'aurais pu piocher une autre carte. J'aurais dû faire l'inverse. Ah, c'est ballot. Attaquant avec tout. C'est une mauvaise idée, ça aussi. On va perdre, je pense. On réfléchit là encore. Mon cerveau est froid. La grisaille, matière grise. Et voilà, donc c'est lose. Je savais que j'aurais pas dû faire ça. Pas grave, c'est un peu de ma faute. C'est carrément de ma faute, j'ai mal joué, mais bon. Voilà, bon. Le retour pas en force, faut que j'utilise un peu plus mon cerveau, parce que j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas compté, il faut compter les points et tout. Pas bien de ma part. C'est bon, on a un starter qui est pas trop. Attaquer, on va pas perdre notre créature tout de suite. Ok. Alors, une créature que vous contrôlez acquiert le contact mortel et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Si cette créature un marqueur, plus 1, plus 1. Sacrifier un vampire. Vous faites ainsi, Sora, un seigneur du sang impérial, inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Et 3 points de vie. Avec ces deux, on garde l'autre pour défendre au cas où. Ou pas. Et elle fait quoi déjà? Le fils en ouais. Intéressant. Hop là. Tac. Merde. 4 direct.
got a taste of my power. Ok. Donc faut que je tue les autres aboutis. Show some respect. Pas attaquer avec tout. Ah. Ok. Moi j'ai toujours mon truc pour le contact mortel. Détruire une créature. On est d'accord pour ça. Bestow a mighty curse. Passage merveilleux, sacrifier le passage merveilleux, chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain base. D'accord. Ok. Il me détruit ma créature. Il attaque encore Sorin. Alors. Enfin, si un adversaire a perdu des points de vie, gagner un. Ça, c'est très bien. On va le garder en défense. On va le mettre en attaque. A taste of my power. Oh, my fucking god. Du coup. Ok. Notre contact mortel. Salut.
divine flows through you. Ah, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Tac. Alors, si la mort d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Pas besoin de mort de créature. A mighty curse. Ah, la joie. Finalement, j'avais un vampire à sacrifier. C'est un peu ça le problème. J'ai pas de vampire à sacrifier. J'ai pas vraiment de vampire à sacrifier. A taste of my power. Je branche machin. Et il abandonne. On va brancher le casque en attendant, mais il a abandonné, on a gagné. C'est ça quand j'utilise un peu plus mon cerveau. Eh ben, on gagne. C'est fou ça. Non, j'aurais pu gagner aussi. Hein. J'avais le jeu pour. J'ai le jeu pour ce jeu vampire. Il est pas mal. Mais bien sûr. Natif que bien notre. Hop là. Allons voir pour la 10e victoire. Ah, on a un start qui est pas mal. Un bon start. Un bon start qui peut se transformer en très bon start selon ce qu'on coche. Ça va être compliqué si on commence par piocher de la merde comme ça. Ok. Ah.
Jouons un peu la défensive. Ah. Oui. Un peu plus l'offensive. Et tout. Et on attaque. Là tu parais. Oui, tu vas parer, ce qui m'arrange. M'arrange pas que, mais ça m'arrange. Il me reste un marais, donc le prochain tour, c'est décider de ce que je fais. Tac tac, il peut augmenter, donc pas de blocage, parce qu'il va quand même augmenter et prendre des points de vie. Mais on ne s'en soucie pas. On ne s'en soucie pas pour une raison très simple. C'est que on a suffisamment de points de vie pour faire. Tac. Au revoir. Et là, on fait. Tac. Attaquer avec tout. On attaque. À chaque fois qu'une créature vous attaque, vous attaquez à place que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. D'accord. Ça peut être embêtant, mais ça l'est pas vraiment. Oui, contact mortel. Ok, il a juste contact mortel. Attaquer avec tout. Deux attaquants. Ah, voilà. Il est tant attendu, peine cul. Bon, puis on va le faire attaquer, même si on risque de le perdre. Les deux la même carte, donc on s'annule l'un l'autre. Et on est sur un abandon. Donc cette deuxième victoire a été plus que facile. Désolé, ma voix est partie en couille. Elle est partie en vacances, je crois. Elle n'a pas apprécié la maladie. Elle a récupéré la récompense. Ce n'est pas une carte cosmétique, on s'en fout. Hop. On continue. Que deux mana, ça fait un peu chier de mana. Thank you.
Pioche de cartes et paire de points de vie. Oh, c'est quoi cette merde? Ok. I can take a hit or two. Ça va être compliqué là. Share in my light. Cage. Tu sais plus, voilà, supposé. That was a good hit. Que je voulais. Ouais, on va perdre encore des points de vie, mais ça c'est pas grave. Prepare for battle. I've fought worse. Je peux bloquer. Ah non, le tribunal, quand le tribunal, quand là, c'est... Ah putain. Quel emmerdement ce truc. Pardon. Voilà. Du coup. Ah merde, elle a été bannie l'autre. Ah dommage. Dommage, dommage. Your light will cleave the darkness.
Ah, j'ai pas mal de trucs là. Recharger en plus. Voilà. Câble. Ça, ah, c'est un éphémère. Je pourrais quand même l'utiliser pour me défendre. Pas de blocage, on va voir. Je vais prendre le risque. Ouais, on fait ça. Ressort quoi que ce soit. Y a-t-il dans le cimetière? Quel lien de vie? Il n'y en a qu'un avec l'envie. Faire la remontada, mais 4 points de vie, ça risque d'être short. Hein. Ça risque d'être short. Ah, voilà.
Merci pour ton follow, Ploa Alexis. Merci beaucoup. Alors, du coup, on était parti. Faut que je défende avec cette vase, parce que j'ai 4 points de vie. On va se faire avoir. Avec les deux là, qui nous restent. Alors, il va en défendre un. Ah, il m'en exile une. Ok. Ok. Si ça nous va. Ah non! Il nous exile lui. Ah, ça c'est parfait. Avec lui. Tac, avec lui. Voilà. On remonte nos points de vie. Oh ma voix, je suis une des roues. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va très bien. Enfin, très bien. Mal à la gorge, mais bon, ça, on s'en fout. Ça compte pas. Du coup. Attaquer avec tout, ça va nous remonter la vie. Garderai en défense, ouais. Il est remonté à 10 points de vie, donc ça m'étonnerait qu'il ait un truc pour me faire 10 points de vie d'un coup. On n'a plus de défense. Qu'est-ce qu'il a de beau? Il abandonne. Impeccable. Impeccable, impeccable. Du coup, on est à combien de victoires là? Une défaite. On récupère la récompense. On a 3 victoires pour une défaite, je crois. Ah, on peut faire le nombre de défaites qu'on veut là. Ah mais il est free win ce truc. Ah, le premier on a mal joué mais là on se débrouille pas trop mal. Start pas trop dégueulasse, impeccable. Oh, du vert. Ouh, je sens le mal de tête approcher. Du vert et du blanc, d'accord. On a un très bon start donc jusqu'au troisième tour il nous sort pas un truc dégueulasse, on devrait s'en sortir, voilà, en plus il nous sort pas un truc dégueulasse, on est bien, même très bien je pense, voilà. Il va commencer les cartes magiques pour me détruire mes créatures. Quand la guilde est en fonction, on arrive sur le champ de bataille. Ah, il cherche dans sa bibliothèque. C'est un chercheur dans sa bibliothèque. Alors, tac. Sorin. On a un start qui est quasiment parfait. On a un start qui est quasiment parfait. On fait attaquer avec lui. Quoi qu'il arrive, même s'il nous contre. Garderait sa créature.
Va le faire. En attendant, toujours plus de puissance pour nous, c'est le plaisir. Chemin sinueux, cherchez dans votre. Il cherche encore. Il cherche toutes les cartes qu'il lui faut dans la bibliothèque. Du coup, on va continuer avec. Mettre les harpies. Les harpies vont nous fournir. Question non négligeable. Pour nous faire plaisir, attaquer avec tout. Hop là, on attaque. Je pense qu'une harpie avec. C'est une vampire. Il faudrait que je mette une harpie avec. Avec lien de sang. Ça me fera deux gains de vie. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Gentil haricot. Détruisez tous les permanents dans le terrain. Voilà. Voilà ce que j'attendais. J'attendais un truc comme ça. Et du coup, ça détruit même ton Planeswalker. D'accord. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas le truc pour ressusciter les troupes. Et j'ai lui qui est pas mal. Partir sur lui. Du coup, ouais. Là, son deck était pas très gentil avec moi. Toujours est-il que s'il joue une créature, je peux toujours. Ah, il va rejouer ça. Il est sérieux? Ah non, cherchez dans votre bibliothèque. Ah, ça c'est parfait. Ça c'est vraiment parfait. Infligez une blessure à une créature ciblée et vous gagnez. On attaque. Ça risque d'être un peu compliqué pour la suite, mais. Puis je sorte la carte qui va bien. Et je devrais m'en sortir. Aïe aïe aïe. Je suis sur le tribunal, donc il exile ma carte. Et. Ça va être compliqué là. Ça va être très compliqué. Du coup. Mais pas si mal. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, je peux pas me permettre de le bloquer. Ce deck. Je connais pas son deck là. Je vais me faire détruire. Ah, full débilos son deck. On n'a pas eu de bol. Vous connaissez pas ce deck. Hein. Bon deck de taré, quoi. Bon deck de taré.
Mais sur une décolle. Bon, super. On va reprendre, il y a une déco au serveur. On a deux défaites sur ce truc là. Il n'y a pas de limite de défaite ou quoi que ce soit. Start que tout à l'heure. J'aurais eu start là tout à l'heure, j'aurais peut-être pas perdu. On va rejouer contre un vampire. Voilà, un peu sûr. Impeccable. Ah. Attaquer le tout. Tac. Impeccable, deux impeccables. Merde, j'ai fait une connerie, quel con. Quel con, quel con. Bon, c'est pas grave, tac. Pas d'attaque. Une ascension, artefact au moment de l'icône. Ah d'accord. Ah d'accord. De blocage.
Quel con, j'ai pas compté les points, je vais perdre, putain. Oui, 4 et 4, 8, 13, 11. Putain, quel âne. J'ai pas compté. Ah, c'est la deuxième fois que je perds sur mes propres conneries, c'est quand même grave. C'est grave parfois. Allez, on recommence, il faut que je sois un peu plus concentré. Deux fois j'ai fait deux misplays dans cette partie, ça m'a été fatal. Là, on est parti sur un début de game très agressif. Mais voilà. Un des trucs auxquels je m'attendais. Que je le garde pour plus tard, ça, cette pioche. Et comme ça. Attaquer avec tout, on attaque. Point de vie si tu attaques. Défends pour qu'elle meure. Pouvez me le permettre. Pas le meilleur play que j'ai fait, mais. Attaque avec elle. Voilà. Bien, est-ce qu'il va me ressortir un tribunal du conclave là? Ça fait voir. C'était à prévoir. Est-ce que je le fais tout de suite ou est-ce que j'attends? En vrai, je peux le faire tout de suite.
Ah. On va faire ça. Revenir. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Mais bon. On peut partir là-dessus. Pour cibler le pioche de cartes. Un mari plus. À chaque fois qu'on invoque, ah putain, il me sort des trucs. J'ai pas vu ça. Voilà. Parce que le problème, c'est que là, il dit, alors à chaque fois, on s'assort de créatures, j'attends. Wow, d'accord, en fait il revient à chaque fois. Alors, pas d'attaque. On va encaisser, donc on va encaisser. Oh non, pas lui. Gideon Jura, at your service. Quel enfer. Your light will cleave the darkness. Il le rend destructible à chaque fois, putain.
Ah, il m'a engagé. Allez, pas d'attaque, je suis dans la merde. Indestructible en plus, hein, Jean-Michel. Donc il faudrait que je l'attaque, mais j'ai rien pour attaquer. Je suis dans la merde. Prepare for battle. Il est attaqué avec ces deux. Indestructible à chaque fois que vous gagnez des points de vie. Oh là là, mais quel enfer! C'est horrible! J'étais super agressif au début et du coup. Je peux plus rien jouer. Oh, un marais, cool, ça me sert à rien. Pas si j'attaque avec tout, j'ai pas compté. Là, je pense que j'ai perdu, mais on va faire un truc débile, attaquer avec tout. Voilà. Voilà. C'est un truc débile. Et il est de retour, l'autre instant. Mais il est un chien, lui, hein, le Gideon Lamenoir. Il est trop chiant. C'est loose. En vrai, ça me va pas d'être agressif. Dès que je suis trop agressif, je perds. Deck de ouf dès le départ, mais bon. Super, super. Docteur Death. Eh ben. Ah, mais j'en ai que deux, ah bah cool. Tu m'en diras tant.
la bébête. Ok. Ah mais non, mais t'es sérieux là? Bon. On va jouer avec ce qu'on a, hein. Jouer avec son... Qu'est-ce que ça fait la porte là? Bien chiant. Eh ben c'est pas trop tôt. Blood was my beginning, and it will be your end. Thirst for life. Okay. Okay. On est dans la merde. That was the act of a coward. But a taste of my power. On est dans la merde. J'y suis allé un peu à la bourrin, je pense que j'ai perdu. Oh. This curse. This... Regarde-moi ça. You cannot run or hide. Pas trop de créatures, putain, je sais pas comment... Oh la merde. Je suis grave dans la merde, je suis grave dans la merde. Tout 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 tout. Voilà.
Il est trop fort, c'est chiant. Voilà. C'était loose. J'ai fait deux bonnes parties, tout le reste, j'ai fait que perdre. Bon, tu la chies ta pastille, hein? The apex predators. Le deck de fou qu'il a, c'est chiant. Comment tu peux contrer un deck comme ça, sérieux? Regarde ça. Regarde ça, il m'éclate. Encore une défaite, putain. Vraiment compliqué pour rien, là. Allez, c'est parti.
Voilà. Attaque. Tranquille. Soyons un peu. Enfin, tranquille. Pas spécial. Oh non, pas ça. Pas les zombies. Pas les zombies, par pitié, pas les zombies. Ah. Attaque avec tout. Au début de votre entretien, à chaque fois, on a une merde qui apparaît. Aïe, c'était quoi cette carte? Je la connaissais pas celle-là. Ah, moins 5, moins 5. Oui. Ah non mais... Exilé, ah putain, elle est exilée, d'accord. Ça me sert à rien du coup. Est-ce que je claque quand même ça pour le faire maximum de dégâts? Ouais. Détruit, on réapparaît. Ah, le plaisir est de retour. On va attaquer avec celle-là. Garde le choix. Est-ce qu'il va contrer pour me tuer? Oui. Peut s'avérer intéressant pour nous. Impeccable. Ouais. Ça risque d'être galère maintenant. J'ai plus de cartes, j'ai tout claqué. Oh putain, il avait un autre rituel. Mais sérieusement. Et voilà, c'est loose. C'est loose, c'est loose. Pas complètement, visiblement. Mais... la fin du tour. Yeah. Non mais putain, mais c'est quoi ce deck qu'il a? Il a 50 000 trucs pour... Putain, en plus j'ai rien pour contrer quoi. Garde-moi ça! Maintenant je vais prendre une branlée parce que... J'ai eu toutes les créatures pour me pour molester, c'est affreux ça quand même. Encaisser, oui. Tant que je peux encaisser, c'est bon. Tant que je peux encaisser, c'est bon. Hein? Bon, je pourrais plus encaisser, on verra bien.
Il va me sortir un autre sort. Non mais sérieux? Tu veux faire quelque chose contre ça là? Il est... Ah ben enfin! Pouvoir ressusciter toutes mes créatures. Non par contre il va me falloir un... Un peu de joie. Du coup... Alors, dans l'ordre. Un truc qui agresse, un truc qui agresse pas. Et lui, on va le mettre. Et j'ai déjà un truc qui agresse, donc je peux le mettre comme ça. J'ai assez, non. Voilà, même s'il a 6, hein. 6, on peut encaisser encore. Normalement, on peut l'avoir à l'endurance. Ouais, pas de blocage. En théorie, on peut l'avoir. En théorie, on a gagné. Et dans la pratique, on a gagné. Non, on n'a pas forcément gagné. 7-7, on a perdu. Putain, j'avais oublié qu'il y avait des liens de vie sur les autres, j'ai mal compté. J'aurais dû garder un truc en défense. Voilà. C'est encore une erreur de précipitation, hein. C'est fou ça. Mais bon, le mec il a le deck. Il y a tout qui tombe au bon moment, c'est abusé quoi. 150 000 sorts pour détruire les créatures. Et sur la fin, je me suis précipité, j'aurais pas dû. Entièrement de ma faute. Jetterai des cailloux quand je joue comme ça. Bah là, ça va être compliqué. On a un starter qui est pas ouf. Notre starter s'améliore. Ah, ça c'est parfait. My strategy here. Ok. A quest of mystery. I
I will learn what nobody yet knows. Ah ben voilà. Une victoire facile. Allez, on se fait la dernière victoire de l'événement. Encore. Mogo. C'est ballot, j'ai que des sorts. Là, le starter était pas ouf, j'aurais dû le changer. Je suis con. Bah, vraiment regarder, j'ai pas l'habitude, j'ai appuyé. Sort, on a rien. Oh là là, c'est un deck élémental en plus, élémentaux. Élémental dans tout ça. Aïe aïe aïe. Voilà, il a un joli deck élémental. Ah, merde. Eh ben, c'est pas trop tôt. Non, je sens que je vais perdre. Je sais pas pourquoi. Un indice qui me fait penser que je vais perdre. Ah. Pourquoi pas, après tout. Et ça me fait de la merde quand même parce que je pourrais pas contrer tout. Voilà. Que je peux faire la remontada, j'en sais rien. Ah, sans doute que non, vu qu'elle nous sort ça. Oh là là. Oh là là, j'ai perdu.
J'ai eu une victoire facile tout à l'heure, mais là. Là, c'est entièrement parce que j'ai pas mulligan. J'étais con, j'ai pas pensé, putain, j'ai pas regardé. Pas concentré là. Là, j'ai un meilleur starter. Je décrète. Allez. Allez. Ouch. Ok, tout. Ah. On est pas mal, je dirais. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. But... Ouais, fait une parade avec... Ah, tu pars même pas? Ok.
Qu'est-ce que tu vas nous faire? Est-ce que tu vas réussir à toutes ces créatures me faire 15 points de dégâts? Parce que là, t'as déjà 10. Ouh là là. C'est pas le pire. Ah! Le jeton de nourriture. On a la défense, on a l'attaque. On peut gagner. Et on gagne. On s'en est bien sorti. J'ai fait les 5 victoires. Ah ouais, je veux pas. Oh, on peut continuer à jouer dans ce mode-là? Pas jouer dans ce mode-là. Plus jouer dans ce mode-là, j'ai fini. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Si on fait revend, ça en fait un deuxième. Une noix. Ok. Et reprendre quoi? Oh, j'ai déjà tout gagné. Continuer à jouer jusqu'à la fin de l'événement. Alors, il me reste quoi à gagner? Faire 20 sorts blanc-rouge. D'accord. Alors là, on a le deck. Notre deck rouge. Le feu brûle. Hop là. Est-ce qu'il y a des chevaliers dans mon deck rouge? Un truc qui peut être pas mal, hein. Le cavalier, initiative, célérité. Voilà ça. Après les chevaliers, j'ai pas beaucoup de. Ah! Il y a lui par exemple. Le gobelin. Il y a lui comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec un chevalier. Et la double initiative. Et la piston de garde. Et le chaman. Alors,
Alors, trébuchet, défenseur, artefact. Ogre chevalier, j'ai pas de chevalier. Croisé, pointe de terre. Circarade audacieuse. Ce tour-ci. Le niveau des chevaliers, c'est pas top. Il y a la congénie, mais coûte 3. Enfin, après j'ai que les sorts à 2. Et... Merde, j'ai oublié de faire un truc. Salut, ça va et toi, Galco? Ah bien, j'ai un peu un chat dans la gorge. Mais... là et lui deux de mana, il n'y en a pas d'autres chevaliers à deux de mana. On va garder ce deck comme ça. Du coup, attends, je vais arrêter la VOD. Merci d'avoir regardé la VOD jusqu'au bout. Je vous offre un sourire.